Pour je le fais, c'est bienvenue sur Soupon. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que nous allons entendre ici, ça me choque. Regardez l'écran, regardez l'écran. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? L'immeuble jusqu'au milieu a eu un sérieux problème. La façade de l'immeuble s'est cassée. C'est tombé d'une manière non que. Aïe, aïe, aïe. Même les voitures qui sont en bas là. Regardez, juste en bas là. Les nouvelles voitures là ont été endommagé. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Vous en rendez compte? Hey! Hey! Et il y avait une femme qui avait l'habitude de s'asseoir au balcon. Et c'est elle qui est là-bas. Tellement ça l'a choquée. Tellement ça l'a dépassée. Elle a décidé de faire une vidéo pour nous en parler. Hein? Et elle ne manque pas de nous dire que. Honnêtement, c'est Jésus-Christ qui l'a sauvée parce que ce n'était pas évident. Elle, depuis un moment, elle est malade. Ça fait qu'elle ne sort pas de la maison. Elle a l'habitude de s'asseoir là-bas, juste là où il y a eu l'effondrement. Hein? Ouais. Et ces temps-ci, on parle beaucoup d'effondrement du meuble. Vraiment, c'est terrible. C'est ce que nous allons écouter. Tout ça pour nous dire, mes frères et sœurs. On ne sait jamais de la vie. On ne sait vraiment jamais de la vie. Tout peut arriver à n'importe quel instant. C'est pourquoi chaque jour, chaque nuit, il faut prier et dire, et remettre sa vie entre les mains de Dieu. Chaque jour est différent de l'autre. On ne sait pas ce qui peut arriver. Que vous soyez riche ou pauvre, remettez votre vie entre les mains de Dieu parce qu'on ne sait jamais. Écoutons ça. C'est parti. Nous sommes tous rassemblés en ce jour. La façade de l'immeuble dans lequel je vis depuis 2016 s'est écroulée. C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème dans ce pays. Le ministère de la Construction doit prendre ses responsabilités. Je vis dans cet immeuble depuis 2016. Elle dit qu'elle vit dans cet immeuble depuis 2016. Je vis dans cet immeuble depuis 2016, en plein 17h, 17h30. L'immeuble s'écroule. En plein 17h30, l'immeuble s'écroule. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? En plein 17h30. Ah! Est-ce qu'il y avait des enfants à l'intérieur ou à côté? Écoutons. Nous vivons dans un pays sans règles. Nous vivons dans un pays où il n'y a pas de règles. Regardez. Elle nous montre tout ce qui se passe autour. Ce sont les yeux. Regardez les hommes qui sont là, juste là. Juste là, ici. Ici, regardez-les. Tiens, ce sont les habitants de l'immeuble. Hein. Tellement ça les a choqués. Ils sont juste arrêtés là. Ils ont du mal à y croire. Tiens. Toi-même, Konaté, tu as l'habitude de t'asseoir en bas. Tu imagines si tu étais assis en bas ici, ce qui allait se passer. Il a dit à sa soeur, ah, toi, mais tu vois, tu avais l'habitude de t'asseoir juste en bas. Imagine si tu étais là. Que se serait-il passé? Tu imagines si tu étais assis en bas. De s'asseoir, de jouer. Regarde nos voitures. Regarde nos voitures. Et les nouvelles voitures ont été bousillées. Regarde nos voitures. En fait, je veux lancer un SOS parce que ce qui nous a arrivé, ça peut arriver à n'importe qui vit dans un immeuble, en fait, qui vit dans une maison. Ça peut arriver à n'importe qui sans qu'on ne s'y attende. Rien ne présageait ça. Ça fait 5 ans que j'habite dans cet immeuble, depuis 2016. Beaucoup de personnes qui me connaissent connaissent mon immeuble parce que j'avais l'habitude de faire des actions citoyennes autour de cet immeuble. Et l'immeuble vient, la façade vient de s'écrouler. Ça a commencé par moi, mon balcon, pour descendre
jusqu'au dernier. Et ça a commencé par son balcon. Pour descendre jusqu'au dernier, c'est-à-dire que genre, elle était juste là en haut, hein, en haut, juste là-bas, en haut là. Qui est. Hein? Donc c'est vraiment ensemble qu'on doit faire bouger les choses. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça aurait pu se passer la nuit, ça aurait pu se passer... C'est Dieu qui a fait qu'il n'y a aucun de nos enfants qui jouait en bas, dans la cour, qui était sur les balcons, parce que nous tous, on a l'habitude de prendre de l'air sur le balcon. Donc vous vous rendez compte qu'aucun Ivoirien n'est à l'abri dans ce pays, à cause de la construction, de la façon dont les choses sont construites, dont les maisons sont construites. Personne n'est à l'abri. Donc il faut qu'on revendique le ministère. Comment il s'appelle même le ministre? Le ministre de la construction, c'est qui même? Bruno, je ne sais quoi là. Il faut qu'il se bouge. C'est inadmissible. La semaine dernière, il y a eu un immeuble qui s'est écroulé à la Riviera d'Eau. Il y a eu des enfants morts. Nous, on a eu de la chance. C'est juste, c'est même pas de la chance, c'est la grâce de Dieu. De là, là. N'a pas Le dernier appartement tout en haut que je vous montre, c'est le mien. C'est le mien. J'étais dans la chambre à cette heure-là parce que j'étais malade. À cette heure-là, moi, je suis sur le balcon pour prendre de l'air. C'est mon appartement qui est au dernier. C'est mon appartement qui est au dernier. Partagez ce direct. Vous suivez tous les blogueurs en nuit, là. Partagez ce direct pour que le ministère de la construction commence à se bouger les fesses dans ce pays. La voiture de les voitures de mes voisins ont été détruites. Ma seule chance, c'est que mon frère a pris ma voiture pour sortir. Sinon, ma voiture qui est neuve aurait été détruite. Voilà, j'ai un voisin, sa voiture même, elle est sortie d'usine. Il n'y a même pas encore de plaque dessus. Cette voiture que vous voyez juste en bas, en gris là. Mais c'est terrible ce qui se passe dans ce pays. Un laisser-aller total. Les valeurs dans les toilettes. On célèbre du n'importe quoi. Des voyous deviennent des héros. Non mais c'est quoi ces conneries là? À quel moment on va se réveiller dans ce pays? Non mais c'est terrible. Ça fait des mois que je ne poste plus sur les réseaux sociaux parce que je suis dégoûtée de tout ce que je vois. Mais aujourd'hui je suis ça. Je veux dire le laisser-aller dont je me plains toujours. Aujourd'hui j'en fais les frais. C'est terrible. Envoyez cette vidéo au ministre Bruno. Je sais même pas c'est quoi son nom de famille. Bruno quelque chose connaît là. Envoyez-lui ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est un pays de laisser aller. Si on peut dépenser des milliards dans un funérail, si on peut dépenser des milliards pour des conneries, pour des cancers dans ce pays, c'est qu'on peut faire quelque chose pour réformer le domaine de la construction. Chacun vient et puis il construit du n'importe quoi. Des trous à rats. Des trous à rats. Vous savez le loyer qu'on paye dans ces Kajibi là? Mais c'est de n'importe quoi. L'immeuble est situé à la Riviera Bonouma. Il n'est pas situé dans un quartier précaire ou je ne sais quoi. Il est situé à la Riviera Bonouma vers le rond-point Ado. C'est là que j'habite. C'est inadmissible. Je suis malade. Je suis arrêtée en bas de mon balcon en train de faire une vidéo pour dénoncer le laisser-aller du ministère de la Construction. Il vient de voir ça sur le net là. Oui ma chérie, c'est ça ton pays. C'est notre tremblé en même temps comme ça. Je te jure, tu sais comment j'aime. Oui, tu te rappelles? Tu sais comment j'aime m'asseoir sur le balcon. Tu sais comment j'aime m'asseoir sur le... Ça a commencé chez moi pour descendre. Ça a commencé chez moi. Imagine la peur de ma vie, mon fils. Vois ça. Il fait de mon fils. Il était là en face de ses... Il n'y a rien de mieux. Et puis je vois qu'ils sont capables. Eh, un pays. Pays des gens. Yako. Pitié pour nous. Ce qui me fait mal, mon chat aussi, il est toujours en haut. Le chat là, il veut pas descendre. On ne sait pas si tout l'immeuble va s'écrouler. Il est vivant, il est caché sous mon lit. Il veut pas sortir. Mon chat est sous le lit. Il est trop ennuyé ce chat là.
j'ai peur de monter pour aller le chercher. Ne pas monter pas. Elle nous dit qu'il y a un champ en haut, il y a un champ en haut là-bas. Elle s'est cachée carrément sur le lit, mais elle a eu peur à cause du bruit que ça fait. Hein? Jésus. Donc elle dit qu'elle est là depuis 5 ans maintenant. Et juste comme ça pour 17h. C'est-à-dire aujourd'hui là, là où je viens de vous parler à 17h30 aujourd'hui là, c'est là là que ça s'est effondré. Non, là il faut que les pompiers nous disent même si, si on peut aller prendre quelques affaires. Oui, c'est sa voiture. Je dois ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je dois ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous avez entendu ça? Revenons un peu en arrière. Écoutons bien ça. Oui, c'est sa voiture. Je dois ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, parce que ce matin, on était en train de prier. Parce que ce matin, on était en train de prier. Ha! 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 Jésus! Ce matin, on était en train de prier dans la maison et tout, et pour recommander la journée au Seigneur. Ce matin, mais je te dis, je le dis haut et fort, je dois ma vie à Jésus. Parce que tout le monde sait que ma place, ma position depuis des mois que je suis malade, ma position c'est sur le balcon. C'est-à-dire là où il y a eu effondrement, là où le meuble s'est effondré. Là. C'est là elle avait l'habitude d'être assise parce qu'elle est malade. Donc ça, tout elle est là pour prendre de l'air et puis voir un peu ce qui se passe. Eh Seigneur. Hein? C'est au dernier étage, regardez, au dernier étage ici. Non, faut vraiment que le ministère de la construction se secoue parce que c'est inadmissible. Oui, officier. Bon, moi je suis tout en haut, je suis Madame Douai. C'est-à-dire c'est le premier balcon qui s'est. Ça a commencé chez moi en fait. Ça a commencé chez moi et puis. Attends, où est ma voisine? Madame. Madame Douai. D-O-U-A-Y. Madame Douai Diane. D-O-U-A-Y-E. Diane. Mon numéro, attendez, je vais l'écrire. Propriétaire. Je vous filme pas faire de la construction. Où est la voisine qui est juste en bas de chez moi? Elle était arrêtée. Et comme pour le voir, elle parle aux gens qui sont assis arrêtés là. Les gens sont en train de venir de plus en plus puisque ils sont en train de faire le buzz sur internet. Et là, oui. Où est Naomi? Mais elle est. J'espère qu'elle n'est pas partie. Elle est rentrée. Au premier. Cynthia. Comme vous pouvez le voir, vous voyez non, que l'homme l'homme n'est pas à l'abri de ce monde. Si ce n'est que sous la protection du Dieu très haut. Oui! Ouais, parce que tout peut arriver. Tout peut arriver. Le meuble s'est effondré. Récemment, elle a appris qu'il y a une meuble qui s'est effondré quelque part là-bas. Et des gens sont blessés, ils étaient blessés, il y a eu des morts. Ah. Et elle parle du ministère de la construction. Tout simplement, c'est à cause de ce qui est en train de se passer. Puisqu'on entend beaucoup parler du meuble qui se fond ces temps-ci. Elle est où? Non, c'est Naomi qui est en bas pour premier. Mais elle est bébé. Officier, attendez, je vais chercher les voisins. Ils sont quelque part. Là, maintenant, les voisins, elle va chercher les voisins maintenant. Ah, où sont passés les voisines? Qu'est-ce qu'elle est passée là? On a les pompiers, on attend ce qu'ils vont nous dire. Est-ce que cet appartement est praticable ce soir? De toute façon, moi, je vais dormir chez ma mère, mais bon. Ah, ça dit que la façade de l'immeuble est tombée, genre, là où il y a le balcon, là, quoi. Ah,
Heureusement que personne n'y était assis là-bas. Les dégâts que ça peut occasionner, ce sont les voitures que vous voyez en bas là. Juste les voitures qui sont là. Des voitures neuves, nouvellement sorties d'usine. Ça me fait vraiment mal quand même. Mais la vie, c'est comme ça, c'est. Tout ce que nous voyons sur la terre ici, comme les maisons, les voitures de luxe qui font la gloire de certaines personnes, ce sont des choses éphémères. Seul l'homme est important. Est-ce que vous comprenez? Seul l'homme est important. La femme là. Ces gens qui sont ici, leur vie, ça vaut plus que tout ce qui se trouve sur la terre, comme richesse et tout ça. Nous devons prier et demander à Dieu de vraiment veiller sur nous et que sa volonté s'accomplisse chaque jour de notre vie. Que Dieu nous donne longue vie. Là, à cause de la prière de cette femme et de toutes les personnes qui ont prié là, aucune vie n'a été touchée. Tout le monde a été épargné. Elle est comme quoi, à cause de vous seulement, Dieu peut protéger tout un quartier. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez vous lever dans la prière. Priez et que Dieu mette sa main sur le quartier. Dieu protège tout le monde. Ah, mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, faites attention, mais confiez-vous totalement à Dieu. Lui seul peut nous aider. C'est parti.